Action sur un tout pour la vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Je vais pas vous cacher, j'ai fait top 1. On se retrouve pour une vidéo, oui, ça... Ah, d'abord, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait une semaine et trois jours, je crois, précisément. Et du coup, je vais faire une petite vidéo, une vidéo de Fortnite, hein, ce qui vous intéresse le plus, je pense, en ce moment. Fortnite qui fait le buzz sur l'internet, je vais vous montrer. La mise à jour 4.0, nous avons des grosses nouveautés. Comme vous l'avez pu remarquer, quand vous jouez avec votre manette de PS4 à Fortnite, vous avez des petites vibrations et tout. Mais pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, bien sûr, comme ça fera de l'audience. Peace! Tu te détruit? La réponse immédiatement. Alors, Epic Games trouve que Tilted Tower est trop triste et trop emprunté par l'utilisateur de Fortnite. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pensé à toutes ces théories. Ah ! Commencer par les skins d'astronautes, hein, l'astronomie dans l'espace, dans le ciel. Ensuite, on continue à mettre des télescopes dans la map qui, à ce qui paraît, sont tournés vers une lumière bleue qu'il y a dans le ciel. Juste une photo que j'ai prise. Juste en haut à droite, vous voyez une petite nuance, et voilà, c'est ça. Quand vous jouez à Fortnite, il y a sûrement une petite lumière bleue dans le ciel que vous pouvez remarquer. Et du coup, bah voilà, je reprends, ils sont tournés vers la lumière bleue dans le ciel, qui est désignée comme une météorite qui va s'écraser dans le prochain jour sur Tilted Tower. Donc, et oui, c'est la fin de Tilted Tower, c'est la mort. Sur Reddit, il y a un site auquel j'ai pu me renseigner pour la nouvelle mise à jour qui vient suivre 4.0. Ce qui va se passer, c'est grâce à ça que je peux vous dire ça. Alors, sur Reddit, quelqu'un a mené l'enquête, des vibrations Fortnite ne sont pas inaudibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme ça pour te faire chier. Hein. C'est, en fait, c'est, on va tous vous expliquer. C'est vraiment un truc de fou. Au début, j'ai dit, pourquoi ça vibre quand je marche et tout? Alors, j'ai déjà promis truc, tous les joueurs ressentent la vibration au même moment. Les joueurs de votre équipe, après je sais pas si les autres, il y a un petit décalage, je crois que ce soit, mais tout le monde reçoit les vibrations en même temps que vous. Ce serait du morse, alors un morse, vous savez, c'est les petits pagans là qui en hiver, non? Du morse, ça serait du morse, je sais pas ce que c'est. Il y aurait 4 codes différents, mis à bout, qui formeraient une phrase. SOS D5418, une petite traduction se pose. SOS est un signal de tendresse. C'est pas ça? Tendresse. C'est quoi? Un signal de détresse. Il y aurait 4 codes différents mis à bout qui formeraient une phrase. SOS D5418. Une petite traduction s'impose. SOS est bien entendu un signal de détresse. D5 renvoie quant à lui une case qui est la map de Tilted Tower. Il s'agit de Tilted Tower. Enfin, 418 est probablement une date avril 2018. Eh oui les gars, ça veut dire que bientôt, la notion en avril, je sais pas quand ça va être la mise à jour 4.0, mais Tilted Tower sera peut-être... Je vous mettrai le site des informations, tout. Voilà, j'ai essayé de prendre les trucs les plus importants à vous raconter, hein, mais vu que je sais pas trop raconter tout ce que je dis, voilà, je vous mets tout en description. Surtout, souscrivez un abonnement. Abonnez-vous à ce mec, je le connais pas, je viens d'arriver là. Allez, j'y vais. Bassimère.